Salut tout le monde, c'est JP Pousse-Clop. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter un adaptateur prévu pour la manette Xbox 360. Un peu de poussière dessus, désolé. Ouais, donc cet adaptateur-là, ça permet en fait de remplacer le micro que vous recevez avec la Xbox, ou si vous n'en avez pas. Ça permet en fait de relier un micro de PC. Vous voyez, là, il y a la prise casque. Là, il y a la prise micro. Ça va faire la mise au point ou pas? Non. Bref, donc ça permet en fait de jouer avec un micro comme ça, par exemple, vous voyez? Un micro cravate, comme ça s'appelle. Il suffit de le brancher. On branche comme ça. Enfin, le câble là est un peu gros, c'est juste pour vous montrer en fait. Et je dois le brancher et puis avancer, quoi. Donc cet adaptateur là ça vaut quoi? Ça faut j'ai payé moi sur eBay, j'ai payé 1,20€. Donc franchement c'est pas cher, ça vaut beaucoup moins cher que de se faire chier pendant une demi-heure pour essayer de faire la même chose. Disons c'est pratique quand on a un casque Triton comme moi et que le micro bug. Vous savez quand ça prend du jeu en fait au niveau de la prise jack et que dès qu'on le tourne un peu, ça fait plus ou moins de bruit. Et ça, je trouve que c'est un peu pénible pour les collègues. Donc on va dire que ce truc-là, c'est assez pratique. Et puis le micro-cravate, franchement, j'ai payé 2,30€ sur eBay en Angleterre. Franchement, ça vaut le coup, hein. C'est pas un gros investissement. Et puis au pire, si vous avez un casque PC, vous branchez directement un casque PC dessus. Après, vous n'aurez pas le son du jeu. Ça, c'est un autre inconvénient. Mais ce que vous pouvez faire, c'est en fait juste brancher le micro. Brancher le micro sur ce truc-là et puis mettre le son du groupe, enfin les voix, les mettre sur le son du jeu. Bon, après ce qui est embêtant, c'est qu'on entend un peu moins le jeu, mais bon, c'est pas spécialement gênant, on peut jouer sans le son aussi. Sinon, au niveau manette, c'est compatible avec les manettes standard de 360, hein, ça se fout en bas comme ça, hein. Juste à brancher, j'ai testé, ça fonctionne nickel. Aussi bien le casque que le micro. Après, si vous avez vu mes vidéos, vous vous souvenez peut-être de cette manette-là. La Rock Candy, c'est la 10€ de chez Carrefour. Bon, alors le truc s'adapte très bien dessus, ça c'est pas un souci. Ça s'adapte, mais ça ne fonctionne pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Là, j'ai même démonté le truc. En fait, j'ai ouvert les vis derrière, les deux petites vis. Vous voyez? J'ai ouvert ça et puis j'avais le truc en main. Là, je vais mettre une photo. Maintenant. Donc, il doit y avoir la photo là. Et puis, même en le branchant dessus comme ça et démonter, il n'y a pas moyen, ça fonctionne pas. À mon avis, ça doit être la manette qui n'est pas compatible avec ça ou je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu embêtant quand même. Oh, je peux utiliser l'autre manette au pire, mais bon, comme c'est une manette que j'ai pu customiser, j'aime pas trop jouer avec parce que ça abîme un peu les trucs. C'est une manette, enfin on s'en fout de la manette en fait. C'est une manette Halo que j'ai fait moi-même. Si vous voulez, je mettrai un tuto pour montrer comment on fait. Donc comme dit, c'est pas compatible avec les Rock Candy. Bah c'est dommage, parce que bon, voilà quoi. Bon après c'est pas la mort, ça fait 1,20€, mais bon, c'est toujours un peu embêtant d'avoir un truc qui ne sert à rien. Mais bon, sinon, si vous avez des manettes standard, je lui foncer, ça vaut le coup. Hein. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce truc-là. Donc, moi, je vous dis bonne journée et puis à plus. Allez, ciao!